Bienvenue, bon après-midi ou bonne soirée sur la chaîne Will Mastro Reaction. On se retrouve ce soir pour une vidéo. Alors attention, c'est The Voice. The Voice russe. Alors, pour les noms, excusez-moi de la prononciation si je me trompe, hein. Je les ai notés pour Pas pas trop trop les les aigus. écorcher, hein. Donc on va partir sur un quatuor qui a fait, on me l'a proposé en vidéo, donc on va essayer d'y aller aussi. Hein. Un quatuor qui a fait The Voice. Enfin, je vais voir quand je vais le lancer. Avec Avec Pelagia. Pelagea. Pour l'instant, ça va. Elmira Kalimulina. Ok. Maria Goya. Bon, ça va. Et alors, attention, Henri Goniachvili. Je pense que je ne me suis pas trompé. Avec Soulrato. En français, c'est pas top. En russe, je peux pas le dire. Donc, on va y aller avec Les ces quatre. quatre jeunes personnes, je crois, d'après les prénoms. Un, deux. Il y a trois Femme femmes et et un un homme. homme, je pense. Je pense que je ne veux pas me tromper. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, découvrez bien comme moi. Hein. Et pour ceux qui connaissent, bah, bonne réécoute parce que. On ne regarde pas The Voice Russie, on l'a pas, on capte pas chez nous. Merci les dirigeants. Non, non, mais on va voir ça et je pense qu'on va kiffer. Alors évidemment, il n'y a pas les sous-titres. Hein. Font pas l'effort, hein, c'est abusé. Bon, c'est la même musique que chez nous. Дамы и господа, на Первом канале главный вокальный проект страны «Голос». Напоминаю, мы выходим в прямом эфире. Позади выступление команды «Пелагеи». Я объявляю для команды «Пелагеи» голосование закрытым. Обработка результатов, естественно, занимает некоторое время. Скрасить минуты ожидания нам поможет сама Пелагея вместе со своей командой. Vous me dites laquelle c'est Pelagea? Чисто поле.
начала земля. Sur le cul. Ah bah là, tous mes amis russes, expliquez-moi dans les commentaires, ça doit être vraiment une chanson, un chant très folklorique russe, enfin de la Russie, parce que bon, il y a vachement d'ethnies en Russie. Vous me l'aviez expliqué la dernière fois, plus de 200 machin. Je me rappelle plus de tout. Attendez. Mais franchement, expliquez-moi dans les si c'est un chant folklorique, enfin folklorique, du folklore russe, on va dire entre guillemets. Franchement, c'est intense, c'est intense et c'est très agréable. Franchement, j'ai kiffé ça. J'ai kiffé les quatre voix. Mais dites-moi aussi dans les commentaires, il n'y a pas des juges qui chantent là aussi dedans? Parce que c'est peut-être une candidate qui chante avec les trois juges. Enfin, je sais pas. Expliquez-moi tout. Parce qu'effectivement, que je ne sois pas bête là-dessus, que ça ne soit pas quatre candidats, il y a trois de juges et une candidate. C'est celle qui chante le moins. Imaginez, la candidate, c'est le mec. Merde. Oui, parce qu'on l'a moins entendu, lui, dans le coup. Avec les trois voix de femmes, on l'a entendu à chouïa. Mais franchement, j'ai trouvé ça très, très bon. Alors, merci à la personne qui m'a proposé ça. C'était très intéressant. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Abonnez-vous si vous avez envie. Si vous aimez le contenu de la chaîne, il n'y a aucun souci. Mais si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cocher la cloche des notifications pour recevoir toutes mes autres vidéos que je vais mettre en ligne. Sinon, vous n'allez pas les recevoir. Donc, n'oubliez pas de cocher. Et pour l'abonnement, c'est gratuit. N'hésitez pas. Tous ceux qui me suivent, qui me regardent, cochez, parce qu'après, je vous vois revenir, mais vous n'êtes pas abonné. Mais n'ayez pas peur, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. J'espère que vous prendrez soin de votre famille et de vos proches. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous aime très fort. On continue, on est plus de 2900. Allez, on y va, on pousse les gars. On y va. Allez, à une prochaine.